système. Ok, ouais. Ce que j'aime de la photo, au-delà de la lumière, c'est la rencontre, en fait, des personnes que je photographie. Puis, dans ma carrière, il m'est arrivé de rencontrer vraiment beaucoup de monde à cause de la photo. Puis, il y a une rencontre en particulier qui me reste encore aujourd'hui, qui est comme une des plus grandes rencontres, en fait, que j'ai faites. C'est qu'il y a une couple d'années, j'ai été appelé pour photographier Jonathan Truchon, qui est originaire de Châteauguay. Je le connaissais pas. J'ai été appelé en fait pour le photographier parce que il faisait un site web, puis il avait besoin de photos parce qu'il faisait des conférences sur le fait qu'il y avait, je pense qu'il s'était battu contre 6 cancers genre à cette époque-là. Fait que je me rends sur le shoot, on shoot, ça va super bien, c'est le fun, on a comme des contraintes techniques tout ça, ça marche super, le gars, je pense que c'est une des personnes les plus inspirantes que j'ai vues dans ma vie. Puis, on est bien content des photos, tout ça. Fait que le contrat finit, les photos sortent bien. Puis, il y a une couple d'années qui passent, une ou deux années qui passent. Puis, je me fais rappeler, en fait, parce que je pense qu'il était rendu à son 8e ou 9e cancer. Puis là, ben on sentait que c'était... qu'il allait pas gagner contre ce cancer-là. Puis, il y avait un événement bénéfice qui se faisait à Châteauguay, à l'aréna. Puis, il allait être présent, puis c'est comme... son énergie diminuait, ce qui fait qu'il allait être présent comme pas longtemps. Puis j'ai été appelé pour faire des photos, justement, pour juste comme figer dans le temps à ce moment-là. Puis on a pris un genre de... je pense que c'est 20 minutes là, dans la chambre des joueurs. C'était comme un grand amateur de hockey, puis on s'est dit qu'on allait faire un petit shooting, justement, dans la chambre des joueurs. Puis jusqu'à présent, en fait, c'est la photo qui me parle le plus de par son histoire. Puis c'est comme... je sais pas comment dire, j'ai vraiment le feeling d'avoir pu capturer l'énergie que Jonathan avait. Une photo qui marque par son contexte, puis encore aujourd'hui, justement, c'est peut-être la seule photo, je pense, qui peut me marquer par son contexte que j'ai pris. Que j'ai pris pendant un voyage en Islande. C'est peut-être le voyage justement qui m'a plus ouvert les yeux sur ce qu'est la photographie, sur ce qui fait en sorte qu'une photo est belle. C'est vraiment pas ça le thème, mais en Islande, c'est un voyage très important justement dans mon cheminement, surtout dans mon style, je pense, j'ai envie de dire, dans mon style de photo. Et cette photo-là, justement, je vais la montrer. C'est une photo assez cliché en fait. Si vous allez en Islande, mettons, là, vous êtes un photographe, tous les photographes passent par là. C'est pas. Il n'y a rien d'original avec cette photo-là. Mais, qu'est-ce qui m'a marqué vraiment par le contexte de cette photo-là? C'est un avion qui est vraiment littéralement au milieu de nulle part. Pour se rendre là, on a marché, je pense, c'est quoi, 2 heures? Je pense que c'est 2 heures que tu marches dans un désert de sable noir, de roche noire, de roche. Dans un désert de roche et sable noir. 2 heures aller, 2 heures retour. Puis on s'est levé, je pense, à 4 heures du matin. Parce que on pensait pas, parce que toutes les photos qu'on voit, là, les clichés des photos de cette photo-là, justement, de photographes qui s'en vont en Islande, c'est tout le temps, justement, cet avion-là au milieu de nulle part avec personne. Mais on est arrivé la veille, puis il y avait genre 20 autos devant, là. 20 autos dans le stationnement avant de faire la route de 2 heures. Puis c'était tout le temps vraiment crowded. Fait qu'on a dû se lever à 4 heures du matin pour pouvoir y aller là super tôt. Arriver là-bas, genre à 4 heures et demie, faire la marche. En tout cas, se rendre là, genre au lever du soleil, pour être sûr qu'on soit les seuls sur le site, puis prendre vraiment la photo qu'on voulait. Puis justement aussi, qu'est-ce qui est... c'est ça. Là, je m'écarte du contexte. Des projets qui m'ont marqué, évidemment, il y en a plusieurs, parce que avec le nombre d'années que je fais de la photo, et c'est certain que j'ai eu pas mal d'expériences à travailler avec des équipes et des gens absolument merveilleux, puis des gens passionnés qui m'entraînent dans leurs projets. Il y a quelques années, j'ai rencontré, lors d'une allocution à une cérémonie de graduation,
la présidente et fondatrice d'un organisme qui porte le nom de 60 millions de filles. 60 millions de filles, c'est une femme qui a décidé de partir un organisme avec, suite aux suggestions de ses propres filles, qui lui disaient que ça n'avait pas de sens qu'une petite fille de 13 ans en Afghanistan n'ait pas le choix de se marier avec quelqu'un et qu'elle ne pouvait pas aller à l'école. Alors, l'organisme qui s'apprête à fêter cette année son 15e anniversaire m'a vraiment inspirée à vouloir les suivre et à vouloir travailler avec eux. Alors, juste voir, au début, c'était simplement couvrir les événements qui se passaient à Montréal, les événements de levée de fonds. Et puis, en 2019, en fait, septembre 2019, j'ai eu la chance de pouvoir participer avec eux à un voyage au Nicaragua et au Guatemala pour aller visiter des projets d'écoles qui ont été construites suite à leurs efforts à Montréal là, de récupérer des fonds. Alors, eux, ils ont construit des écoles un peu partout, en Afrique, en Inde, en Amérique du Sud, et toujours dans le but d'éduquer les filles au départ. Mais aujourd'hui, avec la venue de l'informatique et puis les tablettes, l'apprentissage sur tablette, bien, ils ont réussi à adapter des programmes libres de droit pour les intégrer à des tablettes et les livrer dans des écoles un peu partout sur la planète. Alors, ce projet-là, au Nicaragua et au Guatemala, c'en est à un où est-ce qu'on s'en allait, justement, livrer des tablettes dans des régions complètement éloignées, dans des populations indigènes de ces pays-là. Une photo qui me parle beaucoup par son contexte, c'est cette photo-ci qui a été prise pendant le mois de mai dernier, pendant que les fleurs étaient en floraison. Puis en fait, ce que cette photo-là me dit, c'est qu'au final, c'est toi qui choisis ce que tu veux montrer puis ce que tu veux pas montrer. Parce que dans ce cas-ci, en fait, on a l'impression que le sujet est vraiment submergé par les fleurs, par les arbres, alors que on était seulement devant un arbre avec quelques branches. Donc, c'est vraiment une question de perspective. Contexte! Non, mais il faut un contexte pour comprendre pourquoi j'ai dit contexte. En gros, je vais vous parler d'une photo qui, par son contexte, est importante pour moi, qui a montré qui a exercé le muscle de trouver des solutions à des problèmes et trouver des solutions différentes sans avoir toutes les ressources. Parce que je vous mets en contexte. Pendant la superbe pandémie qu'on a eue est arrivée, j'habitais chez mes grands-parents. Et là, je suis retourné chez moi avant qu'on nous dise de retourner chez nous puis que c'est dangereux pour tout le monde. Fait j'ai laissé mon stock de caméras. À part ma caméra, j'ai laissé tout mon éclairage chez mes grands-parents. J'ai laissé tout mon stock, sauf mon trépied et ma caméra que j'ai ramené chez moi à Sainte-Adèle. Et je voulais faire une vidéo dramatique, niaiseuse, parce que, je veux dire, on est en pandémie, puis il faut se couper les cheveux à un moment donné. Puis je me dis, ah, je suis clairement capable de me couper les cheveux. Fait que je me suis dit, je vais en profiter de ça, de cette idée-là, de je dois me couper les cheveux, puis je dois rendre ça le fun, parce que rendu là, j'avais rien à faire. Fait que je dois me couper les cheveux, puis rendre ça le fun. Fait que je vais essayer de faire une vidéo avec ça, puis de mettre en action le problem solving, de ne pas avoir tout mon équipement. Fait que j'ai essayé de faire un éclairage dramatique, simplement avec l'éclairage qu'il y avait dans ma salle de bain. Et ben ça, c'est c'est la photo que j'ai prise pour faire la promotion de ma vidéo. Et c'est moi, très ténébreux. Avec la fenêtre et le store qui m'éclaire intéressamment. Interrelationnel, peu importe. Puis ben on voit, c'est ce qui était très pas du tout prévu, c'est on voit mon pyjama carotté avec les lignes dans l'autre sens, alors ça brise un peu tout. On me demande tout le temps pourquoi je fais ça. Pourquoi je fais le selfie project? C'est, je vous mentirai pas, c'est quand même, c'est un mois intense, hein? Je peux rien faire d'autre, j'ai de la misère à me faire à manger, fait que j'ai une amie qui me fait à manger pendant ce mois-là. Ça prend énormément de temps de planifier un projet comme ça, puis de le faire, puis c'est quelque chose de vraiment stressant. Donc, pourquoi je fais ça? Bien, je pense que c'est pour toutes les petites aventures que je vis à travers ce projet-là. J'ai tellement de fun. Écoute, je me mets dans des positions qui sont vraiment surréalistes. Je m'accroche dans les airs, je suis dans une piscine en maillot de bain avec deux crocos qui me frottent les jambes. C'est vraiment désagréable, mais écoute, je me mets dans des positions qui sont le fun. Je vis des choses, j'ai des anecdotes. C'est trippant.
Mais j'aime ça être en contrôle. Être en contrôle de tout. On s'entend que dans le Selfie Project, je suis la directrice artistique, je suis la photographe, je suis la modèle, je suis la styliste, je suis à peu près toutes les personnes. Donc, il y a une photo en particulier où j'étais vraiment inconfortable, c'est celle-là. Donc, dans cette photo-là, je suis dans une bulle. On l'a vraiment gonflé, la bulle. Ça veut dire que j'étais à l'intérieur de la photo. Il fallait que tout soit préparé d'avance. Donc, il fallait que j'aille tous les éléments avec moi à l'intérieur, c'est-à-dire le journal, la petite chaise, la petite table, la lampe, oui, une lampe à l'intérieur. Puis, je pouvais pas sortir parce que si je sors, mais la bulle la dégonfle. Ça prend déjà assez de temps à gonfler la bulle. Le couvre-feu arrive parce qu'on l'a fait en 2021. On s'entend qu'en février, il y avait un couvre-feu. Puis, j'ai pas deux chances pour faire cette photo-là. J'en ai juste une. Cette photo-là, encore aujourd'hui, c'est une des photos qui me parle le plus parce que habituellement, j'ai un style qui part dans plein de... C'est très placé, c'est très travaillé. Mon éclairage est très... C'est très fictif comme travail. Puis en rencontrant Jonathan, j'ai comme rencontré un gars qui était ultra simple, ultra terre-à-terre. Puis j'ai pas voulu faire justement d'éclairage qui fitait pas avec la personne. Puis, fait que c'est pour ça que j'ai comme opté vers un style qui est plus sobre. Puis encore à ce jour, je regarde cette photo-là, puis l'endroit, la lumière, la position de la caméra, puis surtout l'émotion qui se dégage de Jonathan, c'est ce qui vient encore me chercher le plus dans les photos que j'ai faites, parce qu'il y a comme une espèce de dualité entre... C'est un des gars les plus forts que j'ai rencontrés, puis en même temps, ben de l'autre côté, il y a une espèce de vulnérabilité qui se dégage, puis qui se dégageait de lui à ce moment-là. On s'est passé à 4 heures du matin pour se rendre là-bas pour être sûr qu'il n'y avait personne sur la shot. Puis justement, la photo, en fait, c'est ma blonde qui l'a prise. Finalement, je m'étais placé, fait les settings, puis tout. Je m'étais placé sur. J'avais vu cette. Je pense que j'étais inspiré d'une autre photo que j'avais vue. Justement, quelqu'un était debout sur l'avion. Fait que j'ai voulu un peu mimiquer ça. Puis ce qui me fascine encore aujourd'hui, justement, c'est de voir cet avion-là, c'est de voir cette carcasse de vieil avion quasiment rouillé, justement, qui se décompose tranquillement, on dirait. Ça doit faire, je pense, 50 ans que cet avion-là est là. Puis ce qu'il faut, justement, c'est l'histoire qui entoure ça. Je ne la connais pas vraiment par cœur, là, mais je sais que c'était un avion, je pense qu'il y avait 7 passagers qui avaient dû se crasher d'urgence sur de la glace, je pense. Qui finalement, cette glace est devenue un lac jusqu'à ce que ça fonde et que ça devienne justement un avion qui est rendu sur un sol qui est juste complètement... sur un sol qui est tout noir. Mais l'idée était celle-là? Non. C'est un des projets, évidemment, les plus touchants que j'ai eu à couvrir, soit par le fait que ces enfants-là étaient tellement passionnés, tellement heureux de pouvoir apprendre. On a visité des écoles, on s'est rendu dans des villages où est-ce qu'on devait faire 8 heures de chaloupe pour se rendre. Et puis, dans des maisons où est-ce qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'égout, c'est des chacres là, dans un champ, tout simplement. Et puis, les écoles, par contre, sont belles. Les écoles sont construites, évidemment, avec des dons. Et puis, les enfants, c'est le seul endroit, je pense, qu'ils peuvent se retrouver dans un univers qui est moindrement organisé. C'était vraiment émouvant de voir les enfants qui venaient vers nous et puis qui voulaient en savoir plus. On se retrouvait là, entourés d'enfants collés sur nous, qui voulaient voir, qui voulaient apprendre, qui étaient émerveillés par les tablettes. Puis je suis contente d'apprendre aujourd'hui que le programme fonctionne là-bas, qu'ils ont des beaux résultats. On a rencontré des jeunes filles qui s'apprêtaient à graduer aussi. Quand tu es dans un endroit perdu comme ça, c'était le long de la Rio Coco, la rivière Rio Coco, ces jeunes filles-là, ils n'ont pas d'avenir, vraiment. Alors, puis là, on les voyait, tu sais, la plupart voulaient devenir médecin ou infirmière. Mais bon, pour y arriver, évidemment, ils vont avoir à sortir de ces régions-là. Puis j'espère que pour elles, leur rêve va pouvoir devenir réalité. Alors ça, c'est un des projets marquants de
de ma carrière jusqu'à maintenant. Donc, au final, je pense que la photographie, c'est vraiment une mise en scène. C'est un univers que toi, tu crées à travers ton cadrage. Puis, c'est ça. Puis, moi, j'aime bien, ce que j'aime bien de cette photo-là, c'est qu'on sent la chaleur, on sent la détresse de ma face. Puis, ben j'aime vraiment ça parce que je trouve qu'elle représente... elle représente un peu comme comment je me suis senti dans cette situation-là. Je veux faire ma vidéo, je veux faire mes affaires, mais j'ai pas accès à tout. Fait que je trouve une solution, je l'essaye, ça a marché, plus ou moins. Puis ben, je me suis demandé en même temps si j'avais de l'air, j'étais capable d'être ténébreux dans une photo parce que j'ai tout le temps la face de con. Là, surtout que j'ai une caméra pointée sur moi, je suis genre de même. Fait que je me dis, je vais essayer de peut-être subtle. D'être ténébreux, là, whatever. Puis je me suis pris en photo, puis encore une fois, comme mon processus, c'est j'étais tout seul, je trouve une solution, je l'ai faite, je me suis pris en photo, ça a fonctionné. Fait que, en gros, c'est ça. Fait que j'ai pas le choix d'avoir préparé tout mon matériel, toutes mes lumières, toute ma caméra, tout ça. Puis je croise les doigts pour que ça fonctionne. Fait que celle-là était vraiment inconfortable, puis... Écoute, d'être dans une bulle comme ça, il fait chaud, le maquillage commence à couler. C'était tellement une expérience surréaliste. Puis j'aime ça. J'aime ça me mettre dans des positions comme ça. Mais celle-là était vraiment inconfortable. Fait que je remercie d'ailleurs mon équipe qui était autour de moi puis qui m'a supporté là-dedans, qui a gonflé la bulle puis qui m'a sorti de la bulle parce que je n'étais pas capable de sortir de là moi-même. Puis finalement, je pense que la photo est assez forte. Donc cette photo-là représente la toxicité. La pandémie, je l'ai vécue d'une drôle de façon, puis je trouvais que toutes les informations qu'on nous donnait à travers les nouvelles, la radio, c'était juste du négatif en tout temps. J'ai trouvé ça vraiment toxique, donc je l'ai représenté en image. Donc on voit la télé ici avec le mot « virus ». Un tuyau qui envoie plein de fumée. C'est super toxique à l'intérieur, je commençais à étouffer vraiment. Puis à l'extérieur, on voit toutes les plantes, c'est un environnement qui est très sain. À l'intérieur, c'est toxique. Donc, tu sais, c'est les choix de vie, hein, de savoir est-ce qu'on veut rester connecté aux nouvelles puis juste se faire nourrir un peu de toxicité ou est-ce qu'on veut vivre un petit peu une vie plus normale. Il a fallu que je fasse une pause avec tout ce que je voyais sur Internet ou sur la télé parce que j'ai tout fait. Donc, je l'ai mis en image puis je pense que je l'ai bien transmis. Mais c'est ça le sens de cette photo-là. Puis qui fait en sorte qu'encore aujourd'hui, ça vient me chercher... Ouais, ça vient beaucoup me chercher. Puis parce qu'il y a aussi... il est mort pas longtemps après cette photo-là, donc ça ajoute au poids que la photo a pour moi. Calé, comment je finis ça? c'est des raisons pourquoi c'est spécial. Ouais, c'est ça, mais ça... Mais c'est classique. Ouais, écoute... C'est ça. Autant, je pense autant c'est ça. Je pense que qu'est-ce qui m'anime autant avec cette photo là, je pense c'est autant que je la trouve sick, autant que le contexte est nice, autant que dans peut-être 10 ans l'avion sera plus là, peut-être 10 20 ans, je sais pas, l'avion sera plus là puis ça aura été ma seule chance de prendre cette photo là. Puis c'est ce qui me tient à cœur. C'est nice. C'est bon, ça. Ouais. Faut que tu sortes, Nat, t'es trop critique. J'ai eu la chance également de travailler sur un film documentaire au Vietnam. Le film documentaire Coming Home, par-delà une nuit sans lune, a été lancé l'été dernier au cinéma du Musée des Beaux-Arts. Et puis, ça raconte un peu l'histoire d'une famille qui a été déchirée pendant les années 70, durant la guerre du Vietnam, alors qu'une partie de la famille a réussi à fuir pour joindre Montréal. Et... évidemment, une autre partie n'a pas été en mesure de quitter. Et puis, j'ai eu la chance de participer aux retrouvailles de la famille. Alors, avec une équipe de Montréal, Tibi Nguyen, Marie-Hélène Panisset, en fait, c'est l'histoire de la famille de Tibi. On s'est rendu au Vietnam, au Laos et au Cambodge pour documenter ces retrouvailles et voir un peu comment les familles avaient évolué, les cousins, les cousines, comment ça s'était passé de leur côté. Évidemment, c'est un destin qui est quand même particulier puisqu'on vit dans une période où est-ce qu'il y a des gens de la Syrie qui peuvent arriver avec le même défi de nos jours, tu sais. Puis il y a des gens d'un peu partout ailleurs. Et puis comment eux ont réussi à s'établir à Montréal, comment ils ont été aidés par la communauté. Donc, ce qui est intéressant avec ces projets-là, c'est que
maintenant, j'ai des amis vietnamiens. Alors, j'ai rencontré des gens super intéressants un peu partout à Montréal. Ça m'a amené aussi à travailler avec d'autres organismes, parce que quand on s'implique, on rencontre des gens passionnés. Puis, on est capable de collaborer avec eux sur leurs projets. Et puis, si j'ai un conseil à donner pour faire quelque chose d'intéressant à un moment donné, bien, c'est bien de donner son temps pour rencontrer des gens passionnés. Parce que c'est comme ça qu'on évolue, on apprend. Et puis, on se crée des liens, puis par la suite, bien, ça devient d'autres choses. Alors, ces liens-là sont partis de ma rencontre avec Wanda Bédard lors de la cérémonie de graduation à John Abbott. Et puis voilà, ça m'a emmené jusqu'au Vietnam, ça m'a emmené au Guatemala, au Nicaragua, au Laos, au Cambodge. L'installation n'était pas si simple que ça. J'arrive dans un espace qui est vide, puis je dois construire la scène de toutes pièces. C'est-à-dire qu'il y avait de la tapisserie qu'on a installée en arrière, les tablettes, les plantes qu'on a amenées de la maison, qu'on a installées dans la scène, et la bulle a gonflé. On l'a testée une première fois pour s'assurer qu'elle fonctionne, donc à deux pompes, ça nous a pris à peu près 2 heures la gonfler au complet. Ensuite, on l'a dégonflé un petit peu pour que je rentre vite dedans, puis on l'a regonflé. Donc le temps qu'on gonfle la bulle, c'était à peu près quoi? 30 minutes? Le temps avançait vite, hein? Puis il commençait à faire chaud. Donc par le temps qui était rendu au bon moment pour prendre la photo, moi j'étais quasiment en sueur. J'avais accroché une lampe au top de la bulle qui arrêtait pas de tomber. Donc tout ça, c'était des détails techniques assez difficiles, mais de pas avoir accès à mon ordinateur, de pas avoir accès au résultat final, à dire OK, ça fonctionne pas ou ça fonctionne, c'était étouffant. Fait que je suis dans une bulle, j'étouffe. C'est cool. Hein? Très cool. Très short, mais cool. Puis ma dernière, c'est conseil. C'est fini? C'est ça? Ouais, c'est ça. Pour moi, en plus, aujourd'hui, on vit dans une ère où est-ce que la photographie est accessible pour tout le monde. Littéralement, avec les iPhones, maintenant, c'est absurde ce qu'on peut prendre comme photo. Puis, j'ai de la photo que je vais coller, que je suis bien mon oncle. Je suis bien mon oncle. OK. Mais tu sais, en plus, aujourd'hui, je pense avec la technologie, les iPhones d'aujourd'hui, justement, ou les Samsung. j'ai pas créé une guerre, là. Okay. Wow, oui. Mais aujourd'hui, quoi, avec les téléphones qu'on a aujourd'hui, justement, la photographie est accessible vraiment à tout le monde. Puis ce que je trouve fascinant, justement, c'est à quel point tu peux faire vraiment n'importe quoi avec... Non. Ce qui me fascine, c'est de savoir à quel point tu peux faire vraiment des choses super cool avec vraiment n'importe quoi. Puis, cette photo-là, justement, on la preuve. C'est une photo que je trouve vraiment sick encore aujourd'hui. Puis pourtant, ça c'est encore une fois en Islande, mais j'avais pas ma caméra sur moi, c'est Nat qui l'avait dans ses mains à ce moment-là. Mais je trouvais vraiment que tout se portait pour prendre une belle photo. J'avais mon sel dans les poches, j'étais un vieux sel à ce moment-là. Il était vieux pour ce temps-là. Puis les photos, déjà, il y avait des petits problèmes chromatiques avec les photos que je prenais, mais j'ai quand même prise. Puis après coup, après avoir pris la photo, je la trouvais tellement cool que j'ai même pas voulu la recréer. J'avais pensé quasiment reprendre ma caméra pour prendre une belle photo, mais prendre une photo comme plus belle selon mes standards, justement, de comme, faut que la photo soit crisp, faut qu'il y ait des beaux flous, puis tout ça. Mais finalement, en la regardant, je suis quand même, elle est parfaite. Je pense que je vais la laisser comme ça. Puis après ça, je l'ai traité par après sur Lightroom. Puis ça montre justement qu'avec un iPhone, rien de plus, aucune préparation, le contexte était juste parfait. Je l'ai pris avec mon sel. Puis ça montre qu'on peut faire n'importe quoi à n'importe quel moment avec n'importe quoi. Nice. Avec mon iPhone. Pas n'importe quoi. Hein? Mm-hmm. Ben, je dis n'importe quoi. Ben, c'est pas n'importe quoi, si je disais. C'est pas n'importe quoi. L'idée, c'est pas de se dire, OK, j'ai pas l'équipement pour faire la version parfaite de ce que j'imagine en tête, de ce que j'ai en tête. Mais c'est vraiment de se dire que c'est possible avec n'importe quoi de faire vraiment tout ce que tu veux. Fait que si mettons ton iPhone, l'opportunité est bonne, prends-la. Attends pas d'avoir des outils pour faire de quoi, parce que sinon, ça se peut que t'attendes tout le temps, puis peut-être tu fasses jamais ce que tu veux faire ou ce que t'aimes. Fait que, vas-y.